Irène? Irène! 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 Irène, réveille-toi! Mon Dieu! Bonjour, grand-mère. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, grand-mère. Tu y es toute habillée. Oui. Tu sors? Oui, grand-mère. Je veux juste aller m'acheter quelques trucs. Oh, je vois. Pourquoi ne pas laisser ça pour aujourd'hui et aller une autre fois? Grand-mère, détends-toi. Je ne serai pas longue. D'accord, voyons ça ici. Grand-mère fait les courses pendant que tu restes à la maison. Grand-mère, détends-toi avant que tu n'ouvres les yeux. Et l'air ferme, je serai de retour. Je... Oh, ok. Pourquoi ne pas prendre le chauffeur, toi? D'accord, grand-mère, ne t'inquiète pas. Si tu ne veux pas que je sorte du tout, pour faire simple, je ne conduirai pas. Ça te va? Grand-mère, je serai de retour bientôt. Merci. À plus. D'accord. Oh. Mais quel est votre problème? Vous marchez sur la route et vous faites de la pelle? J'allais entrer dans cette voiture. Quel est votre problème? Bien sûr que vous filiez. Je roulais vite. Oui. D'accord, je roulais vite, mais vous faisiez un appel. Mais ce n'est pas de ma faute, car ceci n'est pas une vraiment urgence. Vous savez quoi? Je pense que je devrais vous écraser. Vous ne pouvez pas me faire ça, d'accord? Parce que je ne suis pas assez fière à qui vous faites ces choses et vous là en tirez. Essayez. Regardez-moi vous écraser. Espèce de fou. Essayez. Quel est votre problème? J'ai fini. D'accord, madame. Salut, c'est bon, je règle la facture. Je gère ça. Merci. Bob. N'êtes-vous pas ce type qui m'a pratiquement roulé dessus l'autre jour? Mémoire fantastique. Oui, c'est vrai, je le suis. Comment allez-vous? Mais que voulez-vous de moi? Parce que si je me souviens bien, vous m'avez dit ne pas me blâmer. Alors, pourquoi vouloir régler ma facture? Parce que je suis fou. Et c'est pour ça que j'ai eu cette confrontation avec vous il y a quelques jours. Je ne peux...
tout simplement pas vous sortir de ma tête. Alors, vous avez tout le monde que vous rencontrez sur la route dans votre tête? Vous feriez mieux de changer cette tactique de drague parce qu'elle est de la vieille école, ok? Je veux juste vous aider comme un ami. Puis-je avoir ma carte bancaire? Mon reçu également? Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Puis-je vous aider? Merci. Vous savez, vous me devez un merci. Et pourquoi me suivez-vous? Allez, calmez-vous, je vous ai proposé, mais vous m'avez dit non. Alors, vous me devez un merci. Je remercie ceux qui ont réellement besoin d'une aide, et non ceux qui sont immatures. Waouh. Ah. Fille au caractère. Génial, j'aime ça. Mais je te dis... Je vais te faire tomber amoureuse de moi. C'est juste une question de temps. On verra. Salut. Que faites-vous ici? Bien, je... Je suis là pour vous voir. Êtes-vous stupide? Non, je ne le suis pas. Ici, c'est chez ma grand-mère. Je le sais, c'est pourquoi je ne suis pas entré. Que voulez-vous de moi? Un dîner. Je vous demande juste un dîner. C'est trop vous demander? En fait, oui. Encore ici? Vous êtes de retour. Vous commencez à m'irriter, vous le savez? Comment ça? C'est quoi le problème? Je pense que vous avez la raison de votre agacement, vous savez. D'accord? Le plus tôt vous accepteriez ma demande, le mieux ce sera. Mais si vous ne le faites pas, eh bien ceci ne sera qu'en début parce que je viendrai ici tous les jours pour vous attendre. D'accord? Jusqu'à ce que j'aie votre attention. Laissez-moi tranquille. Je ne veux plus le redire. Laissez-moi tranquille. Je ne veux plus vous voir ici. Ok? Foutaise. Non, je ne sais pas. Les gens ont pris leur téléphone pour prendre des photos. Je pense que la dame était gênée. Je ne comprends pas. C'était juste. Parce que des fois, c'est bien de pratiquer être familier avec les escaliers roulants. Parce que c'est plus fin, faut pas. Salut. Salut, ma petite fille. Ton visiteur t'attendait. Effectivement. Et que fais-tu ici? Que veux-tu dire, pas que fais-tu ici? Il est là. Depuis des heures, à t'attendre. Il m'a dit que vous avez rendez-vous pour le restaurant. Oui, nous l'avons. Quel rendez-vous? C'est ainsi que tu te prends pour avoir de l'attention? Ah, tu sais, c'est un garçon super. Et il m'a fait rire toute la journée. Je suis content d'avoir pu le faire. Pourquoi n'irais-tu pas te rafraîchir? Peut-être te changer et se dépêcher pour ce dîner. Et quand tu rentreras, tu me raconteras tout. Mais comment se fait-il que tu ne l'as jamais mentionné? Vraiment? Alors, comme tu disais... Je t'ai amené ici, j'ai pensé que tu allais, tu sais. Je voulais que tu prennes quelque chose comme ceci, tu sais. Mais tu vas en plein léger, hein? De la salade. Pourquoi es-tu si silencieuse? Écoute, je sais que je t'ai attiré ici. Avec l'aide de ta grand-mère, mais je n'avais pas de choix. Je voulais vraiment avoir un moment avec toi. Alors, si tu vas rester là toute la soirée sans me dire un mot, alors, ce n'est plus un rendez-vous de dîner. Tu voulais ton dîner, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, mange. Allez, voyons. Parle, hein? Oh, tu ne veux pas à cause de ton rouge à lèvres?
Ok, si le moins de sourire, souris, ok? Souris, allez, tu es une belle femme. Les belles femmes sourient. Quand je regarde, je vois que le dîner d'hier soir était alléchant. Grand-mère, ce n'était qu'un dîner. C'est tout. Oui. Et sa présence a rendu le dîner appétissant. Alors, comment se fait-il que tu n'as jamais parlé de lui? Parce qu'il n'y a rien à dire sur lui. C'est juste un homme qui m'invite à sortir. Oh, vraiment? D'accord. J'ai l'impression de l'aimer et je pense qu'il est sérieux. Et comment tu le sais? C'est seulement un homme sérieux qui souhaiterait rencontrer ta mère avant même que tu l'acceptes. Grand-mère, reste très sceptique. Il ne faudrait pas que ça te déçoive. Oh, vraiment. Je sais ce que tu as traversé. Tu sais, tu es devenue réservée, casadière, depuis qu'Alex t'a trahi. Tous les hommes ne sont pas ici. Il y a encore de belles âmes là-dehors. Alors, tu dois explorer. Et tu crois que Bob en fait partie? Je ne le pense pas. Je le sais. Grand-mère, mais d'où connais-tu Bob? Je veux dire, tu es toute excitée comme... C'est toi qui es toute excitée. J'essaie juste de t'encourager. Tu es heureuse comme si... Parce que je suis heureuse pour toi. Tu ne rajeunis pas. Je ne sais pas ce que grand-mère a dit en toi. Mais je sais que tu as après moi depuis des mois déjà. Je me suis plainte, mais j'ai également apprécié. Je ne sais pas ce que tu veux de moi. Mais tout comme l'a dit grand-mère, je crois que je vais nous donner une chance. J'espère juste que je ne vais pas le regretter. Quoi? S'il te plaît, arrête de me chatouiller. Ok, je vais t'aider. Tu ne peux pas m'aider. Non, je peux t'aider. Si tu m'avais roulé dessus l'autre jour, avec qui jouerais-tu maintenant? Eh bien, disons juste que tu as réalisé ce qui s'est passé. Oui, Ah, je crois que... Tu vois pourquoi je ne vais pas arrêter de dire. Ok, d'accord. Tu crois que tu es le seul à pouvoir me chatouiller? Et tu disais même, si tu ne quittes pas sur mon chemin maintenant, je vais te rouler dessus. Reste là, va voir. J'ai aimé ça. Qui a-t-il à aimer là? Tu sais que tu étais si belle et j'ai été tentée. Et c'est comme ça que tu traites les personnes qui sont jolies? Tu... Je ne sais pas, mais j'ai songé à ça. Mais je suis heureux, je suis ici avec toi. Pareil pour moi. J'espère juste que tu ne me briseras pas le cœur. Je ne le ferai pas, bébé. Promets? Je te le promets. Toi et moi, ensemble, pour toujours. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi. Je regarde droit dans tes yeux, bébé, ensemble, pour toujours. Pas de fausses promesses. Je suis certain. Bébé. T'en vois. Ta batterie encore intacte. Regarde. Tu vois pourquoi? Tu vois quand tu cries, ça m'excite tellement que j'ai envie de sauter. Oh mon Dieu. Oh, arrête-moi ça. On va en faire juste un pour le voyage. Non, n'essaye pas. We'll be right back.
Pourquoi celui-ci est allongé ainsi? Bob? Bob, réveille-toi. Bob? Si c'est une blague, tu ferais mieux d'arrêter. Bob? Bob, c'est quoi le souci? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Non, ne fais pas ça! À l'aide! À l'aide! Que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît! Bob! Où se trouve le docteur? Il arrive. Soyez il arrive d'où? Il ira bien. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous ne pouvez pas entrer. Nous allons prendre soin de lui. Oui, mais il est sous contrôle. Calmez-vous. En êtes-vous sûr? Oui, je vous en prie. S'il vous plaît, rassurez-vous qu'il se porte bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Je suis désolée, mais qui êtes-vous pour lui? Pardonnez mes manières. En effet, je suis sa fiancée. Oh, je vois. Et il ne vous l'a pas dit? Me dire quoi? Je ne suis pas censée vous dire ceci, mais sa situation est critique. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Bob a un problème rénal. Quoi? Oui. Oh mon Dieu. Il a besoin d'une greffe. Oh mon Dieu. Mais il n'a pas encore été capable de réunir l'argent et un donneur. Et il a besoin de cette greffe aussi vite que possible. Sinon, la situation va empirer. Ok. Quelles sont ses chances de survie? Et de combien est-ce que nous parlons? Ok, à part le fait de trouver un donneur, il a besoin de 30 millions de naira. 30 quoi? Oui. Mais où allons-nous débourser une telle somme? Je suis désolée, madame. Si vous voulez qu'il vive, vous le devez. De toute façon, son état est stable maintenant, d'accord? Vous pourrez le voir plus tard. Merci. Bob, mais pourquoi m'as-tu caché une chose aussi sérieuse? Est-ce que c'est parce que ce que nous partageons ne compte pas pour toi? Tu ne considères pas les personnes autour de toi? Ce n'est pas que je... J'ai passé des tests quelques fois et... Je devais m'asseoir avec des médecins pour qu'on... Pour qu'on en parle. En ce qui concerne mes chances de survie, il a été révélé que j'avais un peu de temps. J'ai donc décidé de voir... Si je pouvais utiliser ce temps pour réunir un peu d'argent, tu sais... Mais ça a été difficile de réunir de l'argent. Alors, tu as décidé de risquer ta vie au lieu de te soigner? Irène, comment vais-je trouver cet argent? Comment vais-je trouver un donneur? Comment? Trouvons d'abord l'argent. Ensuite, je trouverai un donneur. D'accord. Je te le promets. Irène, tu ne peux pas continuer ainsi. Bob se meurt. Il a besoin d'une greffe et d'un donneur. Il n'y a personne pour aider. Relax. Calme-toi. Je suis sûre que ça lui fera l'heure possible pour lui venir en aide. Sauf si il les a cachés la situation. Grand-mère, Bob n'a personne. Ses parents sont décédés. Écoute, il n'y a personne. Calme-toi, d'accord. Bob sera capable de trouver quelque chose. Il pourra prendre soin de lui. Je l'espère bien. Je ne veux pas qu'il meure.
Ça va. Ça va. C'est bon. Ça va aller, Reina. Arrête de pleurer. Tout ira bien. D'accord. J'ai tellement mal. Ça va. Ça va. C'est bon. Honnêtement, Irène, je ne connais pas ce Bob. Et je n'ai rien du tout contre ce mec. Et je te jure, tu fais une très grave erreur. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Flora, tu viens juste de dire que tu ne le connais pas. Parce que si tel était le cas, tu ne serais pas en train de dire ça. Fais-moi confiance. Mais tu ne penses pas que tu joues avec ta vie? Ça, c'est mon challenge. Et dans ce challenge, je vais gagner. Bob est une bonne personne. D'accord. Que dit grand-mère à propos de ça? Laisse grand-mère en dehors de ça. Ok, Flora, peut-on arrêter de parler de Bob et parler de nous? Ça fait un bail. Détends-toi, non? Arrête de t'en inquiéter pour moi. Bien. Ceci est vraiment sérieux. Mais si tu insistes, je vais mettre ça de côté. Mais nous devons vraiment parler de ça. Flora, j'insiste. Et même si on doit lui rendre visite, c'est pas aujourd'hui. Alors, comment a été ton voyage? Tu sais, je t'ai surpris qu'elle appelle pour me dire qu'elle s'occupera de tout. Tout, je ne comprends pas quand tu dis tout. Parce que si elle t'aide avec l'argent de l'opération, n'oublie pas qu'il reste un problème majeur, qui est de trouver un donneur. Elle a dit tout, Greg. Elle donnera de l'argent pour l'opération et s'occupera. Il s'occupera également du donneur. Je ne comprends pas. Et si tu lui dis qu'elle a trouvé un donneur pour toi? Mec, cette fille est une fille bien. Irène est la donneuse. Désolé, mais je ne comprends pas. Tu veux dire qu'elle va payer l'opération et être la donneuse? Ah ah! Mais qui fait une telle chose, mec? Irène. Oh. Bon. Mais c'est énorme pour toi! Je sais. Écoute, sais-tu que ce qu'elle fait est un grand sacrifice et que tu devrais payer le prix plus tard? Oui, mais quel autre prix? Si ce n'est de l'épouser, après ça. Oh, écoute comment ça sonne dans ta bouche, frère. Si ce n'est pas de l'épouser, comme si tu étais prêt à te marier. Épouser Irène ne sera pas un problème pour moi, vraiment. Je veux dire, c'est en fait le moindre que je puisse faire pour ce sacrifice qu'elle fait. Que puis-je dire? Que puis-je dire? Si ce n'est pas de trinquer avec toi, mon frère. Si je pouvais boire, mais, ça... mais tu devrais avoir une bouteille d'eau avec toi. Pendant que je savoure l'amour. Et moi de l'eau. Comment tu vas et comment va ta santé? Ah, je vais bien. Et je rends grâce à Dieu. Les médicaments que j'avais pris, tu sais, jusqu'à présent, m'ont aidé. Donc je fais bien. C'est bien de l'entendre. Merci, maman. Je n'ai pas vu Irène. Où est-elle? Elle est sortie. Elle a appelé pour me dire qu'elle veut me voir. Je sais. Je lui ai demandé de t'appeler, que je l'ai envoyée parce que je ne voulais pas qu'elle prenne part à cette conversation. Oh. J'ai quelques questions à te poser. Qu'attends-tu exactement? Qu'attends-tu de ma petite fille? Ah, maman. Irène et moi, nous nous aimons tellement que... Il est de mon intention. Oh oui. Irène t'aime profondément. Et aveuglement. Et pour ça, elle est prête à tout et n'importe quoi pour toi. Alors, ma question est...
Qu'attends-tu d'Irène? Et qu'est-ce qu'elle gagnerait de cette relation? Tu es sûr de vraiment vouloir t'embarquer dans cette aventure? Grand-mère, je suis convaincue au fond de moi de vouloir le faire. J'aime Bob. Tu sais, il y a quelque chose que je voudrais t'expliquer. Aimer quelqu'un, c'est une chose. Et donner à la personne ton argent, en est une autre. Eh bien, on dit que le temps, c'est de l'argent. Dans ce cas, tu ne lui donnes seulement pas de l'amour. Tu lui donnes de l'amour. Qu'est ton cœur? Tu lui donnes de l'argent et ton temps. Je ne dis pas que Bob est une mauvaise personne, non. Mais tu dois être sûr de ce que tu fais avant de t'embarquer dans cette aventure. C'est ce que je veux dire. Grand-mère, j'y ai pensé encore et encore. Je veux juste le faire. Tout ce que je veux, c'est ta bénédiction. Dis je suis et tout se passera bien. Bien, je veux dire, si tu es sûr que c'est ce que tu veux, alors tu as ma bénédiction. Et j'espère également la bénédiction de Dieu. Es-tu sérieuse? Oui. Oh! Merci beaucoup, grand-mère. Ouais! D'accord, je t'en prie. Cela m'amène à une autre chose que je voudrais en discuter. Comment veux-tu réunir l'argent que tu veux lui donner? Eh bien, grand-mère, j'ai pensé à vendre la maison de mes parents. Et elle pourrait coûter environ 20 millions. Et je me disais que je pouvais avoir 5 millions de la part de ma grand-mère. Quoi? Juste Attends. Tout d'abord, c'est le seul accès que tu as jusqu'à ce que tu te maries. Réunis 20 millions et tu t'attends à ce que je te donne 5 millions pour aider le traitement médical de Bob. Allez, ce n'est pas possible. Mais grand-mère, je n'ai pas besoin de la maison. Je suis ici avec toi. Que ferais-je de la maison? Eh bien, j'ai besoin de mes 5 millions. Mais je sais que tu peux faire ça pour moi. S'il te plaît, grand-mère, ne me dis pas non. 5 millions n'est pas 500 000. Je sais. S'il te plaît. Grand-mère, s'il te plaît, non. Juste 5 millions de naira et tout rentrera dans l'ordre. Tu veux vraiment faire ça? C'est tout réfléchi. Et tu penses que ta grand-mère ne mérite pas de connaître les détails? Mais tu sais qu'elle m'arrêtera si elle le sait. Ne lui dis pas. Flora, ne le dis pas, grand-mère, s'il te plaît. Et que tout ira bien. J'en sortirai indemne. Je fais aveuglément confiance à Bob. Je me dois de le faire pour lui. S'il te plaît. Flora, ne sois pas comme ça. Je veux que tu me soutiennes, s'il te plaît. J'irai bien. Mais viens t'asseoir ici. J'irai bien. Je ne vais pas mourir. J'irai bien. Maman, je veux faire une promesse en ta présence, à Irène, parce que j'ai l'intention de la garder. Mon amour, dès notre retour de ce voyage médical, et que je sois guéri, je te promets devant maman, que toi et moi, entamerons les préparatifs pour notre mariage. Arrête de faire des promesses, Bob. La promesse est une lettre. Mon amour, et j'ai l'intention de réaliser celle-ci. Je te le jure. Sur ma vie, sur ma tête. Je le jure. Tu as intérêt, sinon je t'arracherai les yeux. Tu l'as entendu. Tu ne pourras pas le faire, je te promets. Je le promets. Hein? Viens là, tu vas tellement me manquer. Tu vas aussi me manquer, ma puce. Prends soin de toi et n'oublie pas d'appeler quand tu arrives. Je le ferai. Ok. S'il te plaît, prends bien soin de grand-mère. Je le ferai.
J'irai bien, d'accord? Hé, hey, viens là. Tu vas me manquer. Toi aussi. Alors, comment ça s'est passé? Tu m'as manqué. Tu m'as également manqué. Contente, contente de te revoir. Moi de même, grand-mère. Et toi, comment est-ce que tu vas? Je vais bien, maman. Ça se voit parce que tu as l'air en forme. Merci, maman. Gloire soit à Dieu. Amen. Tu m'as tellement manqué, grand-mère. Ah, toi encore plus. Tu as bonne mine. Vraiment? Oui. Sais-tu à quel point je suis heureuse? Heureuse pour quoi? Très contente. Oh, arrête. Arrêtez quoi? Oh mon, arrête ça. Arrêtez quoi? Aïe, zut! Arrête. Que tu en formes. Quand je vais voyager, je vais te manquer. Et où comptes-tu aller? Tu ne veux pas arrêter avec ça? Non, je vais faire un voyage d'affaires demain. Tu plaisantes? Je suis sérieux. Un voyage d'affaires pour où? Je dois me rendre à mon travail, écoute, ces gens savent que je suis en ville. Ok, je dois y aller pour qu'ils ne le prennent pas pour acquis. Ok, mais je te promets que lorsque je rentrerai, nous commencerons les préparatifs pour le mariage. Voilà la partie que je voulais entendre. Mais je ne veux pas que tu voyages. Ok. Quand tu partiras, ne reste pas trop longtemps, parce que je ne veux pas que tu me manques. Je ne te manquerai pas autant, je te promets. Ouais. Promis? Je reviendrai très vite parce que je sais ce que tu ressens pour moi, bébé. Quoi? Qu'est-ce que... Donc, maintenant, j'ai la permission de voyager. Et en ce qui te concerne... Ouais. Tu me conduis à l'aéroport? Non. Je ne le ferai pas. Pas de problème, je serai bientôt de retour, ok? Tu sais que nous avons parlé de mariage et nous avons promis de ne pas faire de problème. Bienvenue, mon mari. Comment tu vas, bébé? Je vais bien. Ah. Bébé, comment tu vas, hein? Comment tu vas? Bien. T'en es sûre? Oui, je vais bien. Tu m'as manqué. Tellement. Et tu m'as aussi manqué. C'est vrai? Oui. T'en es sûr? D'accord. C'est bon d'être à la maison. Oui. Vrai? Et bébé, viens. Et te rafraîchir. Tu es sûre que tu vas bien? Oui, je vais bien. Je vais bien. D'accord. D'accord. Juste après toi. Bienvenue une fois de plus à la maison, chérie. Elle a cru que tu l'aimes et que tu veux l'épouser. Elle est tellement stupide. Non, je ne pense pas qu'elle soit stupide. Tu sais, je suis fier de ce que j'ai fait. La stratégie que j'ai utilisée pour la convaincre. Tu sais... Comment savais-tu que ça allait marcher? Je ne savais pas. Pour être honnête, que ça allait marcher. Tu sais, mais en la regardant, du moment où je l'ai vue, j'ai su qu'il y avait quelque chose. Quelque chose en elle. Tu sais, elle est arrivée au bon moment. Et j'ai pensé que c'est une chance, peut-être. Et j'ai essayé, et alors, boum! Ça a marché. Et nous y sommes. Greg, connaît-il ton jeu? Non, pas du tout. Personne ne le sait, c'est juste toi. Bébé, rappelle-moi, comment l'as-tu rencontré?
C'est ainsi que Dalia a failli tout gâcher. Comment que c'est parce que le jour d'avant, il tenait les documents au bureau. Et le jour d'après, il s'agitait juste devant moi. Et allons-y. Était sur le point de me demander « Qu'est-ce que tu as écrit sur ce... » Craig. Quoi? Je connais cette fille. Je te jure que je la connais, c'est l'Hongrie. Oh, d'accord, celle-là. Je te jure que je la connais quelque part. Je... Ah, d'accord. Je la connais. C'est la fille dont je t'avais parlé, celle que j'ai presque écrasée. Oh, oui, c'est elle. C'est la fille que tu avais presque écrasée? Oui. Ah, mais c'est le seul enfant vivant du chef Douglas. Tout le monde la connaît. Je suis surpris que tu ne la connais pas. Celle-là? Ah, ah. Je ne pense pas. Es-tu sérieux que... Attends. Chef Douglas, le gouverneur? Bien sûr. C'est sa fille. Ah, ah. Tu veux dire que tu ne reconnais pas cette fille? En fait, c'était ça, tu sais. Bien sûr qu'elle était, tu sais... Elle essayait si fort de prouver qu'elle ne peut pas craquer, mais je l'ai poussée. Tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est que la résistance dans un jeu. Et avant qu'elle ne se rende compte, elle était dans mes filets. Cherchant mon cœur et voulant que je l'aime. Comment une adulte comme elle peut être si stupide? De toutes les façons, elle t'a redonné la vie. Donc... Elle a fait... Et quel est le prochain plan? Rien. Juste passer un peu de temps avec elle et voir combien je peux lui soutirer. Allez. Je pense que tu devrais abandonner. Tu l'as déjà assez sucé, il n'y a plus rien qui reste. Tu le penses? En parlant, je voulais te dire que je vais... faire un virement dans ton compte le matin. Question d'être prudent au cas où elle chercherait à vérifier mon compte, que je sois sans reproche. Hein? Tu comprends ce que je veux dire, ouais? Oui. T'es avec moi? T'es avec moi? Oui, bien sûr. Bébé. Oui. Tu vas bien? Oui, je vais bien, juste fatiguée. T'en es sûre? Tu n'as pas trop mon temps. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, je suis juste fatiguée. Tu es sûre? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne manges pas ta nourriture. Tu n'as pas l'air heureuse. Quel est le problème? Grand-mère, je ne parviens pas à joindre Bob depuis qu'il a voyagé. Rien de mal n'arrive à Bob. Bob va bien. Peut-être que sa batterie est à plat. Ou probablement il a garé son téléphone pendant le voyage. Mais je peux te rassurer qu'il va bien. Alors, mange ton repas, d'accord? Grand-mère, es-tu sûre? Je suis sûre. Parce que c'est tout ce que je souhaite. Je suis sûre. Bob va bien. Maintenant, mange. Et s'il te plaît, fais-moi une faveur. Pouvons-nous oublier Bob pour un instant? Je mange. Allô, Greg? Désolée de te déranger. Oui, Irène. As-tu eu des nouvelles de Bob récemment? Parce que j'essaie de le joindre et son numéro ne passe pas. Non, je n'ai pas parlé avec lui depuis que vous êtes rentré dans l'opération. Bien qu'il soit venu au bureau demander un congé qui lui a été accordé. Parce qu'il a dit qu'il avait besoin de temps pour se rétablir. Un congé? Mais il m'a dit qu'il partait en voyage d'affaires. C'est ce que Bob t'a dit? Oui, et je suis sûre de ce que je dis. D'accord, tu sais, tout est possible. Probablement. Il a saisi cette opportunité pour se rendre en voyage d'affaires, qui sait? D'accord, Greg, merci beaucoup. Je dois te laisser maintenant. Si tu parviens à le joindre,
Dis-lui que j'ai appelé, pour que je puisse aussi le joindre. D'accord, on s'appelle après. Bye. Bye. Si Greg t'a vraiment dit cela, alors je pense sérieusement que tu dois te ressaisir, d'accord? Patiente jusqu'à ce que tu aies des nouvelles. Je n'ai pas de choix. Je dois attendre. Honnêtement, tout ça ne lui ressemble pas. Il ne se comporte pas de la sorte. Je suis aussi inquiète et j'espère vraiment qu'il va bien, peu importe où il se trouve. C'est aussi mon inquiétude. Je me demande juste ce qui lui arrive à l'instant. J'espère que Bob va bien. Je l'espère. Attends une minute. Irène. Oh, mon Dieu. Au lieu de t'asseoir ici et de parler de tout ceci, pourquoi ne pas assister au mariage de ton ami ce week-end hors de la ville? Oh mon Dieu, le mariage de Tessie. Oui. Oh Flora, merci de me le rappeler. Quoi est-ce que je pensais? Au moins, ça sera pour moi une bonne distraction. Merci. Je pense que je vais le faire. Ça m'aidera. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Je me demande aussi. Tu m'aides beaucoup. Oh Dieu. Calme-toi juste, d'accord? Non, je suis déjà calme. Au moins avec ce voyage, je me sentirai mieux. Oh, merci. Régale-toi. Mais où est le tien? Ça, c'est du fort. Je suis épuisée. Grand-mère. Oui. Je dois voyager pour le Bénin, pour le mariage d'une amie. Au moins pour changer d'air. Wow. Je vois. Tu es sûre d'être à la hauteur du stress du mariage? Oui, elle était ma camarade de classe à l'école. D'accord. Je dois assister à son mariage. Alors, combien de temps va durer ton voyage? Juste 5 jours. 5 bons jours? C'est vraiment d'autres. Tu veux dire que tu seras loin de moi pendant 5 jours? Grand-mère, ne t'inquiète pas, c'est juste 5 jours. Comme je le disais, j'ai besoin de changer d'air. D'accord, tu vas me manquer, tu sais. Tu veux aussi me manquer, grand-mère. Quand tu y seras, sois prudente. D'accord, prends soin de toi, d'accord? D'accord, grand-mère. Personne ne sera là pour s'occuper de toi. D'accord, grand-mère. D'accord. Bonne nuit. Bien, tu vas déjà te coucher. Oui, je dois faire mes bagages. Tu me laisses, je pensais qu'au moins tu passerais un peu de temps avec grand-mère, moi. Grand-mère, je dois faire mes bagages. Je peux revenir, mais je ne suis pas sûre. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu es au Bénin? Hé, hey, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour le mariage de mon ami. Était-il arrivé? J'ai essayé de te joindre. Tu as... Oh, mon Dieu! Oh, d'accord. Hey. Désolée de t'avoir fait attendre. J'étais en train de... Qui êtes-vous? Chérie. Ah. Je ne comprends pas. Salut, qui êtes-vous? Mon amour, voici Esther. Esther, mon amie Irène de Lagos. Hey, je m'appelle Esther. Bob. La femme de Bob. Tu as une femme? Oh, oui, j'en ai une. J'ai une femme. Comme tu peux le voir, elle porte mon enfant et... Bob, tu as une famille? Tu n'as pas de famille, je t'ai proposé pour que tu puisses en avoir. Non, que quelqu'un me dise que je rêve. Écoute. Bob, tu as une... Non. Quoi? Une autre? Thank you.
Ah, tu es rentrée de sitôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis quelque chose, Irène. Que s'est-il passé? Grand-mère peut me marier. Quoi? Non, non, ce n'est pas possible. Grand-mère, je l'ai vu. Je l'ai vu avec sa femme enceinte. Il m'a avoué qu'il est marié. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Mon argent. Que vas-tu faire maintenant? Je veux dire, elle sait tout. Je ne pense pas qu'elle voudrait encore t'écouter. Raison pour laquelle je ne devrais plus lui parler. Je veux dire, tout est clair maintenant, donc. D'ailleurs, c'est bien, nous avons des moments de fun, alors. Elle peut partir. Il fallait voir son expression. Oui, je sais. J'ai vu son expression. C'est une grande fille, elle ira bien. C'est une femme forte, sûre. Personne ne peut s'en remettre, peu importe sa force. J'ai pas l'intention de t'effrayer, mais je ne pense pas que tu t'en sortiras. Irène m'aime trop pour me faire quoi que ce soit. Tu ne devrais pas être si sûr. Bien, je sais, mais même si elle voulait quelque chose, que peut-elle bien faire? On ne sait jamais. Tu n'as pas touché ton repas. Je sais ce que tu traverses. Moi également, ça me touche beaucoup. Je veux dire, j'ai pris l'engagement de m'occuper de toi depuis que tes parents sont décédés. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que j'étais dessus. J'étais vraiment dessus. Et c'est quelque chose que nous devons affronter. Le défi est à relever. Et tu as besoin de manger pour être forte, pour se battre. Grand-mère, comment va-t-elle? Je n'ai jamais vu ma petite fille souffrir autant. Mon plan a vraiment détruit. Si quelque chose lui arrive, je vais mourir. Grand-mère, non. Rien ne va t'arriver. Ok? Rien ne va t'arriver. Je vais lui parler. Grand-mère m'a dit que tu refuses de manger ton repas. Écoute,
Je sais que ce n'est pas le moment de te dire que je t'avais prévenu. Bien que j'ai vraiment envie de te le dire. Hey, calme-toi. D'accord? Je sais que Bob t'a vraiment blessé. Mais je veux que tu saches qu'il ne s'en sortira pas du tout comme ça. D'accord? Je partage ta peine, mais ça va aller. Mais remets-toi juste. D'accord? C'est le plus important. Grand-mère est celle qui va s'occuper de toi. Parce que je pars pour une formation demain. Oui. Alors, grand-mère prendra soin de toi. Raison pour laquelle tu dois être forte. S'il te plaît, je ne veux pas que tu compliques les choses. Tu es une grande fille, tout ira bien. Promis? C'est bon, ça va aller. Décroche pas. Décroche. Je savais que tu allais appeler. Tu ne peux pas me quitter. C'était une blague. S'il te plaît, arrête ça. Tu jouais à la comédie avec cette femme enceinte, n'est-ce pas? S'il te plaît, ne le fais plus. Arrête. Parce que je ne trouve plus ça drôle du tout. S'il te plaît, Bob. Tu dois vraiment être une idiote pour encore penser ainsi. Un homme t'a montré sa femme enceinte et tu te trompes encore? Yes. Je m'appelle Esther. L'épouse de l'homme que tu ne veux pas laisser tranquille. Et qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ne sais-tu pas qu'on se joue de toi? D'accord. Mon mari m'a trompée, mais il est de retour à la maison. Alors pourquoi ne le laisses-tu pas tranquille? Parce que ce que vous aviez est terminé. Écoute, madame. Tu es une très belle femme et tu es une battante. Je te conseillerais de te chercher ton propre homme. Il s'est pratiquement joué de toi et tu n'arrives toujours pas à le voir.
Si tu penses que ceci était une plaisanterie, je suis désolée de te le dire, la plaisanterie, c'était toi. S'il te plaît, arrête de nous appeler. Docteur, s'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec ma petite fille? Irène ira bien, maman, mais je ne sais pas pour combien de temps. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Eh bien, je ne pense pas que je devrais te dire ceci, mais je pense que tu as tous les droits de le savoir. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Suite à la grève du rein qu'elle a fait récemment, j'ai peur. Irène a développé quelques complications. Greffe. Greffe de rein? Non, mais Irène ne l'avait pas. C'est son stupide ami qui avait un problème de rein. Ça veut dire que tu ne sais pas? Savoir quoi? C'est vrai, Bob avait un problème de rein récemment. Et Irène était la donneuse. Je ne t'ai pas dit, parce que je savais que tu n'allais pas me permettre. J'aime tellement Bob que la seule chose à quoi je pensais, c'était de sauver sa vie. J'aurais dû t'en parler. S'il te plaît, pardonne-moi, grand-mère. J'étais toujours traitée comme une amie. Et non, comme un parent. Je pensais que je pouvais t'avoir près de moi afin que nous partagions nos joies et nos peines. Et tu sais, j'ai pensé avoir réussi. Mais aujourd'hui, je réalise que j'ai échoué. Je veux dire, si tu peux prendre une telle décision sans me dire, ça veut dire que je n'ai aucune valeur à tes yeux. Ne dis pas ça, grand-mère. Grand-mère, tu es tout pour moi. Tu es ma fille. Tous ceux que j'ai toujours aimés m'ont toujours tourné le dos pour me quitter. Grand-mère, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me fais pas la même chose. Je ne pourrai jamais t'abandonner. Tu es mon enfant, ma fille. Mais je me sens obligée de te dire que tu m'as déçue. Je suis désolée. Grand-mère, je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Calme-toi. Calme-toi. Salut, Bob. S'il te plaît, j'ai besoin de te voir.
J'ai quelque chose d'important dont j'aimerais discuter avec toi. Irène. C'est bien de savoir que tu as reconnu ma voix. Bob, si tu m'as jamais aimé, s'il te plaît, viens me voir à l'hôpital spécialisé. Que fais-tu là-bas? Tu le sauras quand tu viendras. Que veux-tu que je fasse, Irène? Écoute, je comprends qu'il y a des complications, oui, je le savais, mais hey! Je n'étais pas le chirurgien qui a fait la greffe, hein? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Bien sûr, je comprends qu'il y a des complications, mais je ne suis pas le chirurgien qui a fait la greffe. Le suis-je? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Hein? Pourquoi tu m'as appelé ici? Parce que si c'est pour me demander une somme d'argent et voyager à l'étranger te faire soigner, tu sais que je n'ai pas cette somme d'argent. Et dans ce cas, si tu veux, un rang, tu sais que je n'en ai qu'un seul. Je ne peux te le donner. Alors, comme tu peux le voir là maintenant, Irène, je ne peux pas te venir en aide. Donc, débrouille-toi. Bob, c'est toi qui me dis ça. Après tout ce que j'ai fait pour toi... C'est exactement ça mon problème. Après tout ce que tu as fait... Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi les femmes le font tout le temps. À chaque fois qu'une femme fait quelque chose pour un homme, elle le chante tous les jours, jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, les choses que tu m'as faites, tu les as faites parce que tu le voulais. Je ne t'ai pas demandé de le faire, Irène. Alors, pourquoi devrais-je être forcé de t'aider? Hein? Es-tu méchant à ce point? Je suis couchée sur ce lit à cause de toi. Et tu ne penses pas que je... Hey, écoute-moi, tu n'es pas dans ce lit à cause de moi. Écoute, je vais te dire pourquoi tu es dans ce lit. Tu es dans ce lit à cause de ta stupidité. Je ne t'ai pas forcé de faire ce que tu as fait. Tu es couchée dans ce lit parce que tu voulais être supérieure. Maintenant, profite de ta supériorité. Parce que je m'en vais d'ici et je n'ai pas de temps pour les mourants. Bob! Écoute, la prochaine fois que tu penseras à m'appeler, rappelle-toi que je suis très occupé ces jours et je n'ai pas de temps pour tes mourants. Bob! Ne m'appelle pas. Ne le fais pas. Bob! Irène. L'erreur est déjà commise. Ça ne sert à rien de penser à ce qu'il t'a dit. Il a tout simplement prouvé qu'il est sans cœur. Mais le bon Dieu que nous servons s'occupera de lui. Sauf si je ne suis pas ta grand-mère. Il rendra tout ce qu'il a pris. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous n'avons même pas l'argent. Pour voyager, pour le traitement. Grand-mère, comment vais-je survivre à ça? Comment? Ma chérie, Dieu fera son miracle. Il l'a toujours fait pour nous. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il ouvre pour moi dans le secret. Il ouvre un chemin pour nous.
Seigneur. Seigneur, ça fait longtemps que je me suis présentée devant toi pour te demander quoi que ce soit. Non pas parce que tu as toujours pourvu à tous mes besoins. Tout. Mais aujourd'hui, je viens avec tant de peine. Et je te demande ton aide. Car personne d'autre ne peut m'aider. Père, tu savais depuis le début ce qui allait arriver. Tu m'as enlevé mon seul fils et sa belle-femme. Et tu as laissé la petite princesse pour me consoler et me réconforter. Mon Dieu, ce qu'elle a fait, c'est un acte de charité et d'amour. Et maintenant, tout est contre elle. Mon Dieu, je ne sais pas d'où viendra l'argent, mais je sais que tu ouvres toujours un chemin là où tout semble fermé. Et je te prie, Père, de nous l'accorder. Je te prie, je t'en supplie, Seigneur, si une vie doit disparaître, Père, prends la mienne et laisse-la. Elle a encore beaucoup à vivre. Je te donne ma vie, mon Dieu. Je te donne ma vie. Mon Dieu. En toute chose, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Je suis en fait très surpris de voir que tu es en ville. Mais tu vois ce que tu viens de me dire là? Ce que tu viens de me dire, c'est ce que tu prévois aller dire à cette fille d'Irène. D'un ami à un ami, je te jure, tu n'auras pas une mort paisible. Je ne comprends pas si tu es mon ennemi ou mon ami. Je t'ai appelé ici pour te dire quelque chose, mais regarde comment tu te comportes. Je ne comprends pas, nous nous battons. Écoute, quoi que cette fille ait fait, elle l'a fait parce qu'elle voulait. Ouais, je ne te comprends pas. Tu sais. Ouais. Lui avais-tu déjà dit que tu étais marié? D'ailleurs, tu... Attends, dis-moi, l'as-tu déjà dit à quelqu'un au bureau? Non, attends, dis-moi, est-ce que quelqu'un au bureau sait que tu es marié? Chaque fois que nous évoquons des histoires de célibataires, attends, ta voix est celle qui tourne le plus? Bob. Je ne savais même pas que tu étais marié. Craig. Des gens portent-ils des marques sur leur visage pour dire qu'ils sont mariés? C'est ce que font les gens mariés? Mais Greg, quoi? C'est ce que tu attends de moi? Hein? Allez! Ouais, je suis marié. Et puis quoi? Je n'ai pas besoin de porter de marque. D'ailleurs, ma femme n'aime pas être ici. Elle préfère que je travaille ici, que je lui envoie de l'argent au Bénin. Et là, elle est heureuse pendant que je travaille ici. Greg, je suis un homme, ok? Hein? De temps en temps, j'ai besoin de m'amuser. Ce que tu dois comprendre, c'est que la façon dont tu as décidé de t'amuser est totalement ton affaire. Mais jouer avec la vie de cette jeune fille. Bob, jouer avec la vie de cette jeune fille. Mec, ça c'est pousser le bouchon un peu trop loin. Écoute, Greg, calme-toi. Ne me méprends pas. Tout ce qu'elle a fait pour moi, j'apprécie. Vraiment. Tu vois dans la vie, Greg, à un moment de la vie, les gens doivent aider leurs semblables. En fait, dans une existence, il y a des gens. Et en ce moment-là, il est en position de m'aider. Et il avait. En fait, donc, je suis positif que dans ma situation, tu sais, elle... Elle va trouver de l'aide. D'une ou deux personnes, tu sais. Dans son entourage où elle a aidé. Tu sais, si c'est le cycle, c'est ainsi que la vie est. Elle ira bien. Bob. Oui? Tu te souviens, plus tôt, j'ai dit quelque chose. J'ai dit que tu n'auras pas une mort paisible. En fait, en ce moment-là, je blaguais.
Mais tu vois maintenant, je suis plus que sérieux. Toi, tu n'auras pas de mort paisible. Tu es un homme méchant. Tu es un mauvais type. C'est moi qui t'ai appelé ici. Si je t'ai resté de mon côté et ne t'avais pas invité ici. Cette insulte n'aurait pas été. C'est moi qui t'ai appelé. Femme, que faites-vous ici? Femme, ce n'est plus grand-mère. Quelle ironie. Juste hier, tu suppliais et tu confessais ton amour éternel à ma petite fille. C'était hier, nous sommes aujourd'hui. Que voulez-vous? J'ai entendu parler de tes outrances. Bah, parce que je ne fais pas confiance à ma petite fille. Mais j'ai voulu venir voir et entendre de moi-même. Et tu sais quoi, ce n'est pas nécessaire parce qu'il est évident. Tu y es ingrat. Je ne suis pas ingrat. Vous méritez que je vous explique mieux. Si vous pensez que je vais mettre ma vie en danger parce qu'elle m'a donné son rein, alors vous devez encore mieux réfléchir. Vraiment. Ma petite fille est à l'hôpital. Luttant de sauver sa vie. Et c'est tout ce que tu as à dire. Tu sais, c'est un péché sans pardonnable. Mais celui-ci, c'est absolument impardonnable. Et je vais te dire une chose, Bob. Même le sol sur lequel tu marches se dressera contre toi. Passez une bonne journée, madame. Nous n'avons vraiment pas le temps. Elle n'a vraiment pas l'air bien. Je sais. J'ai vendu tout ce que j'avais. Juste pour réunir de l'argent. Mais ce n'est pas encore assez. Je sais. Je sais que tu fais de ton mieux. Mais tu devrais encore faire plus. Tout ce qui nous reste, c'est sa maison. Si je dois la vendre pour réunir de l'argent, que ce soit ici, je n'ai pas d'autre option. Je suis désolé pour tout ce que tu traverses à l'instant. Mais plutôt nous réunissons l'argent pour aller voir un spécialiste à l'étranger. Moi aussi. Je sais. Docteur, qu'est-ce qu'il y a? Je suis meurtrie inconsciente. S'il vous plaît, allez vite. Seigneur.
Bébé. Chérie, je suis sincèrement désolée que tu aies aussi longtemps. Il a fallu une éternité pour qu'il quitte la maison. Je pense qu'il est temps que je te prenne toi et mon enfant hors de ce lieu. Je veux dire, je ne peux pas te laisser accoucher de mon enfant sous le toit d'un autre homme. Qu'en penses-tu? Je suis du même avis que toi parce que j'arrive plus à le supporter. Je peux plus. C'est une bonne chose. Sois prête. Je pense que c'est le moment. Ok. Viens, s'il te plaît, garde-nous sur elle, d'accord? D'accord. S'il y a quoi que ce soit, assure-toi de m'appeler, d'accord, ok? D'accord, oui. Bien. Désolée, vous allez mieux, d'accord? Docteur, docteur, que se passe-t-il? Où est ma petite fille? Elle n'est pas là. Où est-elle allée? Docteur, où l'as-tu amenée? Docteur, dis quelque chose. Dis quelque chose. Où est-elle? Calme-toi d'abord. Docteur, s'il vous plaît. Calme-toi, d'accord. Dites quelque chose. C'est pour son bien, ok? Juste calme-toi, ok? Si tu lis cette lettre, c'est évident que tu es de retour à la maison et informé de ce qui se passe. J'ai décidé de partir et d'aménager avec le père de mon futur bébé. Ça ne sert plus à rien de tourner autour du pot. Nous nous sommes perdus assez de temps tous les deux. Il est temps de faire face à la réalité. Oui, mon bébé à naître n'est pas ton enfant. Comment cela pourrait être possible quand tu n'es jamais là? Tout ceci n'a été qu'un jeu depuis le début. Mais vu tout ce que tu pouvais faire à cette fille, je ne pouvais pas penser à ce qui pouvait y arriver si je restais avec toi. Tu aurais peut-être aussi joué avec moi. Et aussi, je suis partie parce que je ne souhaite pas partager la punition que tu subiras pour tes péchés. Je suis désolée, ce mariage était voué à l'échec. Maintenant, il est temps qu'on y mette fin. J'aurais souhaité t'aimer. Prends bien soin de toi. Ta vraie Esther. Tu sais, tu as eu exactement ce que tu mérites. Attends, que pensais-tu recevoir en retour? Des roses? Prends-le calmement, Greg, je ne te comprends pas là. Tu m'as appelé ici pour me rappeler mon passé et plus me tourmenter. Je ne vais pas te consoler pour de telles bêtises! Tu sais, tu ne mérites aucune forme de pitié. Aucune forme! Aucune forme! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Allez, Greg, ressaisis-toi. Je traverse des moments difficiles. Je veux dire, j'ai besoin de ton aide.
Tu es mon ami, j'ai besoin, je mérite ton aide. Je n'ai pas à t'aider, frère, parce qu'à moi, tu ne m'as rien fait, hein, tu ne m'as rien fait, je ne peux pas t'aider. Si tu as besoin de l'aider, retourne chez Irène et demande-lui des excuses. Et quand tu auras présenté tes excuses, alors là, elle pourra t'aider. Tu m'entends? Retourne chez Irène et présente-lui tes excuses, parce que c'est ce que tu mérites. Oui, je pense que t'as raison, je dois aller voir Irène, tu sais. Oui. Écoute, maintenant que je traverse des moments difficiles, j'ai besoin d'une consolation. Cette fille peut bien me comprendre. D'accord? Elle peut m'aider à me retrouver. Je ne supporte pas l'idée de me marier maintenant, Greg. Je vais aller la voir. Quoi? Je suis tellement déçu. Qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Tu devrais pourtant aller la voir parce que tu ressens des remords. Mec, tu y vas parce que tu veux l'anéantir. Parce que c'est... Nous allons nous réconcilier, tu sais. Tout le monde a besoin de l'aide des fois. Salut. Grand-mère. Que fais-tu ici? Tu es venu renfoncer le couteau dans la plaie? De quoi tu parles? Elle t'a aimé. Elle a fait l'impossible pour toi. Nous t'avons fait ce que personne d'autre ne pourra jamais le faire. Et tu nous as payé en prenant sa vie. Vie? Quelle vie? De quoi tu parles? Où est Irène? Dans la tombe que tu as creusée pour elle. Tu m'as enlevé, ma jolie petite fille. Tu as mis les larmes dans les yeux d'une vieille femme. Les larmes seront toujours avec toi. Je suis vraiment désolé, mais Irène n'est pas morte. Mon Dieu, je l'aurais pressenti. Tu sais, mais sa mort n'a rien à y voir avec mon vêtement. Vraiment? Vraiment, tu dis? Sa mort n'a rien à y voir avec moi. Oh mon Dieu. Il ne ressent aucun remords, même après sa mort. De toute façon, je n'aurai jamais pitié de ce qui pourra t'arriver. Tu parles en... Oui. Vraiment. Je parle en parabole. Tu sais, tu lui as promis. Tu nous as promis, tu as juré sur ta tête et sur ta vie que tu l'épouseras quand tu reviendras. Tu as ce qu'elle t'a donné. Mais j'ai été insultée. C'est la promesse d'une grand-mère. Ouvre.
grand-mère. Je suis de retour. Je vais déjà bien. Comment tu vas, grand-mère? Ah, ouais. Je suis née de nouveau. Je suis vraiment heureuse que tu ailles bien maintenant. Merci. Tout ça, c'est grâce à toi. Oui, grand-mère. Je te présente Esther. Enchantée, maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Et je te demande ce que tu fais ici. Qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas ici pour lutter. Encore moins me disputer avec toi. J'ai juste besoin de 5 minutes de ton temps. S'il te plaît. Je t'écoute. Merci. La vie en elle-même est difficile à cerner. Nous ne savons pas comment nous sommes venus, ni comment nous partirons. Nous pouvons juste contrôler les activités que nous faisons. Écoute, je sais tout ce qui s'est passé. Je sais combien on a dépensé pour la greffe. Et je sais que plus de 16 millions de naira sont restés. Mais je ne suis pas là pour prendre tout cet argent. Voici ce qu'on va faire. Esther, je suis mourante. Et Bob a refusé de m'aider. Oui, le même Bob que j'ai aidé. Mais je suis là pour te faire comprendre une chose. Que Bob ne va pas payer ceci seul. Mais toute personne qu'il a supportée dans ce plan machiavélique. Allez, Esther, tu es une femme comme moi. Si une telle méchanceté est commise contre toi, comment te sentirais-tu? Vas-tu t'asseoir comme tu le fais? Bien. J'étais au courant de ce que Bob a fait, mais je n'étais pas directement impliquée. Tu n'as pas besoin d'être directement impliquée pour être une complice. Écoute, Esther, je sais que tu n'aimes pas Bob. Et je sais aussi que tu es en couple avec une autre personne qui est responsable de la grossesse que tu portes. Comment tu le sais? J'ai mené des enquêtes sur toi. Je suis au courant que tout cet argent a été transféré sur ton compte. Écoute, Esther, je ne suis pas là pour cet argent. J'ai juste besoin d'une petite somme pour une chirurgie correctrice. Est-ce trop te demander? Est-ce trop te demander pour mon propre argent? Esther, laisse-moi te dire, si quelque chose m'arrive à cause de cette maladie, je jure sur ma vie que même le sol sur lequel tu marches se dressera contre toi. Bonne journée. Ah, attends. Oui, je n'aime pas Bob et je ne l'ai jamais aimé. Allez, qui aimerait un homme qui passe la moitié de son temps matrimonial à courtiser d'autres femmes? Oui, je suis dans une relation et avec Mike, juste qu'il n'a pas de l'argent. Et tout ce que je voulais, c'était réunir un peu d'argent pour qu'on puisse juste s'en aller et avoir une belle vie. Mais j'ai jamais eu l'intention de le faire en prenant la vie de quelqu'un d'autre. Je vais te remettre ton argent. J'aime ma vie. Esther, ceci est pour toi. Prends. Deux millions de naira?
Débrouille-toi avec. Mickey et toi pouvez recommencer vos vies. Et vous portez bien. Oh mon Dieu! Ah! Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. C'est toi qui as rendu tout ceci possible. Si ce n'était pas toi, peut-être que je serais si pieds sous terre maintenant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci aussi. Merci. Merci. La chaussure de l'enfant. Je vais la ramasser pour elle. Merci, madame, merci. Non, 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 non. Tu n'as pas besoin de faire ça. Merci, madame. Grand-mère, sois heureuse. Ah. Je le suis. Grand-mère, sois heureuse. Si ce n'était pas elle, ce que je serais si bien sous terre maintenant. Merci, merci beaucoup. Merci de m'avoir pardonné. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.